Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et c'est la première fois que je filme à minuit. Franchement c'est cool, en fait on est dans un autre mood. On est dans un mood du soir, tout ça. En général je suis toujours devant la fenêtre à attendre le soleil et filmer. Et là franchement avec mes lumières je suis trop contente parce que je peux filmer à n'importe quelle heure. Du coup j'avais vraiment envie de tester des nouveaux sites pour vous, pour vous dire un petit peu mon avis. Et principalement des sites que je vois sur Instagram. Là je vais tester le site Amy Clubwear et j'ai reçu vraiment pas mal d'affaires de chez eux. Donc voilà, si ça vous dit, keep on watching, you know what. Du coup, premier vêtement que j'ai reçu de leur site, c'est ce pull là. Franchement, pour vous dire la vérité, quand je l'ai ouvert, je l'ai trouvé vraiment vraiment très 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 beau. Je vous mettrai les images quelque part sur l'écran. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Il fait franchement il passe bien une petite paire de baskets, une petite paire de bottes avec une petite paire de Timberland. Franchement je le vois super bien, la qualité elle est vraiment vraiment bien pour cet article là, parce que vous allez voir hein, les autres c'est pas tout très bien. Et je le trouvais super beau et tout. Je l'ai essayé, vous allez me voir là le porter. Je le trouvais canon jusqu'à ce que je lève ma manche. Et là je m'aperçois que, regardez-moi s'il vous plaît, il est déchiré. Donc voilà quoi, pour recevoir un pull déchiré. Après je sais pas si c'est moi qui n'ai pas eu de chance, mais le pull est très très beau, la qualité elle est vraiment vraiment belle pour ce produit là, il est vraiment très joli. Par contre il est troué quoi. Et puis le prix, franchement les prix de ce site là sont vraiment vraiment pas donnés. Et vous allez le voir pour les prochains articles, pour la qualité, non. J'espère que la lumière c'est pas trop mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est, parce que comme c'est nouveau pour moi, voilà, j'ai envie de m'améliorer. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop clair, c'est pas trop clair, ce que vous pensez que je devrais changer. Je sais pas pourquoi j'ai zoomé un petit peu. Ce que vous penserez que je devrais changer, est-ce que c'est un petit peu trop blanc, trop jaune. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la lumière en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir votre avis. Prochain article, c'est cette robe là. Du coup quand j'ai ouvert cette robe, pour vous dire la vérité, j'étais vraiment vraiment déçue, parce que la photo sur le site, la fille elle était juste canon, la robe elle avait l'air magnifique. Quand j'ai ouvert cette robe là, déjà laissez-moi vous dire que le packaging c'est pas trop ça. Quand j'ai ouvert cette robe là, franchement elle était, je m'attendais à une super belle robe. La qualité c'est pas du tout, du tout. Du tout. Attendez, je vais la fermer. Hein. Du tout ça. Vous allez me voir là, vous allez me voir la porter quelque part sur l'écran. La qualité, c'est vraiment pas ça. Le bustier, il ne tient rien. Il est tout, tout mou comme ça. C'est une robe. Je vous mettrai la photo sur l'écran aussi. Du coup, c'est une robe sur laquelle je misais beaucoup. Franchement, je me disais ouais, pour une soirée et tout, je vais la dégainer. Elle va être super belle. Quand je l'ai sortie, c'était pas ça du tout. Je me suis dit quelle arnaque. Elle est vraiment vraiment. En matière, comment dire, assez cheap. Surtout le haut en fait. C'est le haut qui est vraiment tout loose en fait. C'est le haut qui est le plus mal fait en fait. C'est un bustier qui est censé attraper votre poitrine et la galber, et au moins la soutenir un petit peu. Là il n'y a aucun soutien, c'est que du tissu. Vraiment mal faite, les coutures aussi sont hyper mal faites. Je sais pas si vous arriverez à voir. Mais ensuite je l'ai portée. Et là je me suis dit franchement, elle passe bien. C'est le genre d'article, quand vous le recevez ça fait super cheap, mais quand vous le portez, eh ben on dirait pas que c'est aussi cheap quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore les robes comme ça, moi en bas un petit peu évasées en bas, j'adore ça les robes tubes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi portée je la kiffe, sinon comme ça c'est pas de la good quality. Voilà, next. Ensuite nous avons ce pull là, et ce pull là j'ai vraiment kiffé, je vous mettrai la photo sur l'écran. Il est de bonne qualité, franchement il est très joli, le dos fait tout son effet, vous savez c'est un dos croisé. Je sais pas si vous arriverez à voir comme ça, mais je le porterai pour vous et je vous mettrai la photo sur l'écran. Mais ce pull là il est vraiment vraiment très très beau, vous pouvez le porter soit devant soit avec le nœud derrière. Il est vraiment vraiment très très joli, ça pas mal, il n'est pas déchiré. C'est un bon. Ensuite toujours une robe que j'ai trouvée vraiment très jolie sur, sur la mannequin. Et très jolie aussi sur moi. Franchement j'ai bien aimé. Le seul petit bémol c'est que le décolleté est vraiment très 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 plongeant. Et que je porte pas ça en général. Et je n'arriverai pas je pense à porter ça. Donc je pense que je vais la reprendre un petit peu là. Vous voyez l'image juste là sur l'écran. Elle est super longue, échancrée de chaque côté. Elle est très belle, la matière elle est vraiment pas dégueulasse. Elle est vraiment bien. Et vous avez le collier juste là en haut. Franchement elle est très jolie cette robe. Elle est vraiment belle, c'est une jolie robe de soirée. Le décolleté est juste un petit peu trop, voilà quoi, mais sinon elle est vraiment belle, celle-là elle est vraiment belle. Ensuite j'ai reçu une paire de chaussures et vous allez me dire Mina pourquoi même tu as choisi ça. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ces chaussures là, I don't know. Mais quand elles sont arrivées je me suis dit Mina tu ne pourras jamais les mettre. Je les imaginais pas en plastique en fait comme ça, vous allez voir l'image sur l'écran. Et ça plaît pas à tout le monde.
pour une soirée rétro, un truc comme ça, je pourrais peut-être les dégainer. Mais elles sont vraiment belles. Franchement, elles sont belles pour celles qui aiment ce genre de vote là. Elles sont vraiment belles. Elles sont pas de super super bonne qualité, mais franchement, visuellement, elles sont vraiment vraiment jolies. Par contre, je sais pas quand est-ce que je la mettrai, cette paire. Je sais pas. Je ne pense pas avoir un jour l'occasion de porter une paire de bottes comme ça. Mais c'est pas grave, au moins je l'aurai à la maison. C'est vraiment pas du goût de tout le monde, hein. Plein d'entre vous ne vont pas aimer du tout. Moi, j'aime bien. J'aime bien pour une soirée particulière. Voilà. Franchement, la taille pas mal, très bien emballée. Pour les chaussures, franchement, j'ai bien aimé. Franchement, les prix, je les ai pas trouvés canon du tout, quoi. Ils sont... je trouve que c'est assez cher pour un site chinois, surtout pour la qualité des produits, quoi. Vous pouvez pas vendre cette qualité-là, on sait que ça vient de Chine. Vous pouvez pas la vendre à 30, 40, 50 euros, alors qu'elle vaut 2 euros à la main d'œuvre. Ensuite, une chemise qui n'est pas une surprise pour moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai en noir, je vous l'ai déjà présentée. Je crois que je l'avais pris sur le site Zaful et je l'ai vue sur leur site là en deux autres couleurs. D'ailleurs, je l'avais prise, je vais y arriver, en kaki aussi, mais je ne l'ai pas reçue. J'ai reçu la rouge, elle est très très belle. C'est la chemise, vous savez, un petit peu destroyed en jean, en denim. Elle est rouge avec des clous, elle est vraiment très très belle, même en épée, par-dessus une robe, un petit short en jean et un petit t-shirt blanc. Franchement, elle est vraiment très belle. Je vous la montrerai portée encore une fois, elle est vraiment vraiment très jolie celle-là. Celle-là, j'ai beaucoup aimé. Il nous reste deux articles et on aura fini pour ce petit haul. Voici le prochain article que j'ai reçu. C'est une robe en fourrure que je vous mettrai la photo encore une fois sur l'écran. Je l'ai prise quand même en taille XXL. Moi, je fais pas confiance à ces sites là. Ça, c'est vraiment un des problèmes de ce genre de site. Je fais pas confiance aux tailles en fait. Je sais jamais quoi prendre. Des fois, les mesures sont fausses. Je sais jamais quoi prendre. La preuve, cette veste là, je l'ai prise en XL. Mais pour vous dire la vérité, franchement, elle est jolie cette veste. C'est une veste en fourrure. Elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. La qualité, elle est vraiment bien. Par contre, il me semble qu'elle coûte quand même assez cher. Elle coûte une cinquantaine, une quarantaine d'euros, il me semble. Vous avez des promotions aussi. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker si les produits vous intéressent. Cette veste, elle est vraiment très très belle, je vous la montrerai portée. Elle est vraiment très jolie, le rose est très beau, c'est un rose poudré. Elle est toute douce. Franchement, cette veste, pas mal. Dernier article de ce petit haul, c'est une paire de chaussures que je trouve vraiment très très belle. Pour le coup, cette paire là, je la trouve vraiment très belle, mais il y a un hic. Et comme je viens juste de vous parler des tailles, ben c'est un hic de taille justement. Un hic de taille, ouais, il est de taille le hic, et c'est aussi un problème de taille. On a cette paire de chaussures qui est vraiment vraiment très très belle, mais encore une fois, problème de taille. Donc j'ai pris du 11 parce que je sais jamais quoi prendre. Les bottes, c'est du 10 et elles me vont un petit peu serrées. Elles me vont même... je suis serrée quoi dedans. Et celle-ci, c'est du 11 et elles me vont beaucoup trop grandes, vraiment trop grandes. Pourtant, j'ai des grands pieds, c'est très rare que j'ai des chaussures qui m'aillent trop grandes. Elles sont super confortables, elles sont vraiment très jolies, elles sont très très bien faites, elles sont vraiment vraiment très jolies, je les aime beaucoup. Mais le problème, c'est qu'elles me vont genre une ou deux tailles trop grandes quoi. Je suis au bout de ma vie, mais elles sont vraiment trop belles. Du coup voilà, je vous ai tout présenté, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce site là. J'ai eu des très bonnes surprises comme des mauvaises surprises, c'est souvent le cas dans les sites comme ça où les habits proviennent de Chine en fait. On a certaines fois des très très belles surprises et d'autres vraiment des catastrophes. Et je trouve que pour le prix de ce site là, c'est un trop gros risque à prendre. Franchement, un pull déchiré, franchement, really, ça se fait pas quoi. Envoyer un pull déchiré, c'est n'importe quoi. Surtout que le prix du pull, je crois qu'il est à 50 euros quand il était pas hors solde. Et en solde, il doit être à 20 euros, une vingtaine d'euros, je sais plus trop. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc si vous voulez checker, n'hésitez pas. Il est vraiment très beau ce pull. Je sais pas si c'est moi qui ai pas eu de chance, mais il est déchiré. Pour ce qui est des tailles aussi, la veste est du XL, elle me va parfaitement, alors que en vrai je suis une taille S, voire allez M. Et les chaussures, l'une me va trop petite, l'autre me va un petit peu trop grande. Donc c'est un petit peu comme jouer à la belote avec son argent. Ou jouer, je sais pas, quelque chose avec son argent. En fait, on n'est pas sûr de ce qu'on achète. Et c'est ça un petit peu le hic. Donc voilà. Quand c'est pas trop trop cher, c'est pas trop grave. Parce qu'on n'a pas trop les nerfs quand on reçoit des mauvais produits ou des mauvaises surprises. On n'est pas trop énervé et déçu. Par contre, quand ça commence à faire un petit peu cher, comme ce site-là,
trouve un petit peu cher quand même. Je pense que ça vaut pas trop le coup. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces articles. Est-ce que vous avez déjà testé ce site ou pas? Voilà, voilà, je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas à liker, bien sûr, ça me fait vraiment plaisir. À vous abonner aussi, c'est gratuit et ça m'encourage. Je vous fais des gros bisous les filles et on se retrouve bientôt. Love you!